Et vous aurez la même vue. Hein. D'accord ? On est en direct là. Oui, très peu d'informations pour l'instant, mais deux policiers municipaux seraient à terre. Ils ont été chargés il y a quelques minutes dans un camion des pompiers après que l'un ait subi un massage cardiaque. Pour l'instant, il y a beaucoup de véhicules de pompiers et du SAMU qui sont sur place. La police a quadrillé le quartier. On en sait peu pour l'instant, si ce n'est que ce serait un homme, un individu d'1m75 avec un crâne rasé qui portait visiblement un gilet pare-balles. Selon des témoins, deux armes auraient été aperçues. Selon ce que l'on nous dit ici sur place, et ils auraient tiré dans le dos de l'un des policiers. Voilà, les camions pompiers que vous pouvez voir sur place sont en train de repartir avec à l'intérieur du véhicule que vous voyez bouger sur ces images de Nicolas Béart. L'un des deux policiers municipaux touchés ce matin, il est dans ce camion pompier qui repart. Très peu d'informations pour l'instant.